y'a accès de mon, mon offrande bien-aimée.
sous la terreur que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec toi, avec toi. Page 3, cantique numéro 10, Nasepeli Kosalela. Gaï na se peliko salela yo mo bigisi ona esengo na mi pesi mo bimbana onkolo kamata mata mo temana Yo ba te la kangai na mabe na ngoluna yo onkolo Yesu na lingi kocha la seco on canona on coloca mata matamo te mananga o yo son bona e jalia yo seco ba te la kangai na ma Mwanje akokende mbangu kosalela yo miso kotala mokami ngai sekotosai onkolo kamata mata mote mana yo ba te la kangai na mabe na ngoluna yo. Mes bien-aimés frères et sœurs, balinga mina ngaba ndeko basimi bali, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. To pesi bino mbote kati na komo na ngolu Yesu Kristo. Nous avons des remerciements. Tojiba matondi. Notre bien-aimé Apo. Le konabiso molingami Apollo. Il était venu ici pour chercher les diplômes. Ayakea opona koluka diplôme na ye. Après avoir fait l'examen d'état à l'intérieur. Simana kosala examen d'état na intérieur. Il s'est passé beaucoup d'années. Et le kaki mibu ebele. Il était question qu'il vienne prendre les diplômes ici à Kinshasa. Etikala kikaka ya ona Kinshasa pona kozwa diplôme na ye. Le Seigneur l'a assisté.
Kola songa kiye. Au moment où nous parlons, wana tozali koloba. Il est en position de ses deux diplômes. Asili kozwa ba diplôme na yemiba. Alors le dimanche, il peut faire un voyage vers Bouindé. Il remercie le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Le frère Paul Matondo. Écrit ce qui suit. Je remercie notre Seigneur Jésus. Azali kotona nkolo na biso Yesu. Pour ma santé qu'il a, pour sa bonté qu'il a manifestée. Envers moi. Depuis lundi le 26 septembre, j'étais tourmenté par les démons de la fièvre, de la typhoïde, les levures, mais à travers vos prières, du vendredi le 30 septembre, Dieu a écouté Zambayokaki et il m'a guéri. Pe abiki singai. Pour cela que notre Dieu soit loué pour toujours. Pona yango nzamba na biso akomisa mapona libela. Et il continue, il écrit. Akobi na koloba. Et pe par cette occasion, na iposaka kamoko e. Je loue nazali ko sanzola. Par cette occasion, na iposaka kamoko e. Je remercie aussi mes frères, mes sœurs. Nazali ko tonda pe bande konanga ya basi. Mes frères qui ont prié pour moi, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sœur, le frère Pendeli Chico, écrit ceci. Je remercie le Seigneur d'avoir guéri ma fille qui était malade. Que le Seigneur soit loué d'éternité en éternité. Le Seigneur fait des choses au milieu de nous. Le frère, nous avons une requête. Le frère Jean-Jacques Kayembe. Il est en voyage, il voyage à Oslo. Azali ko bemba na Oslo. Via Addis Abeba. Koleka kanzela ya Addis Abeba. Oui. Iyo. Il demande qu'on puisse prier pour lui. Ako senga to bonela pona ye. Il a téléphoné depuis 12h57 minutes. Abenga kenda singa depuis 12h57 minutes. Pour nous dire qu'il est déjà dans l'avion. The Ethiopian Airline. Ya Ethiopian Airline. Vers Oslo. Kokendaka na Oslo. En passant par Addis Abeba. Kole kaka na nzela ya Addis Abeba. Nous allons prier pour lui. Toko bonde la ponaye. Nous pouvons nous lever. Toko kotelema. Et nous allons lire une portion de l'Écriture. Peto kotanga eteni moko ya likomi. En suivant le prédicateur du jour. Na kolandaka mote ya mokolo. Il n'a pas encore épuisé ce qu'il a sur son cœur. Nano asili site oyazui kati na motema na ye. Sur ce sujet. Likolo na mama likamboyo. Nous allons lire la Bible. Tokotanga na lombango. À cause de cela même. Nantina na yango. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bosa la makasi na bino nyoso pona kobakisa na konyima na bino nguya. À la vertu la science. Na nguya boyebi. À la science, la tempérance. Na boyebi komikanga. À la tempérance, la patience. Na komikanga motema mulaye. À la patience, la piété. Na motema mulaye bonzambe. À la piété, l'amour fraternel. Na bonzambe bolingo abandeko. À l'amour fraternel, la charité. Na bolingo abandeko bolingo ango. Car si ces choses sont en vous, jambisoki biloko ebizwami kati na bino, et ils sont avec abondance, pe zwami na boyikani. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas. Loin. Et il a mis en oubli la purification
de ses anciens péchés. Pe ya seli kotia na kobosa na kopetola ya masomo ne ya kala. Oui. Iyo. Nous allons prier ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Tokobona bisunyo se longo balinga mbande kobasi mibale. Demandant au Seigneur qu'il puisse nous donner toutes ses vertus. Ko senga kana nkolo eta pe se biso bangu ya nyonso. En ayant ceci dans nos cœurs, nous ne serons jamais oisifs. Nous ne serons non plus par rapport à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons implorer la grâce Seigneur que le Seigneur soit avec nous du début à la fin. Nous allons aussi prier pour le serviteur de Dieu qui va prêcher aujourd'hui que le Seigneur soit avec lui du début à la fin. Prions ensemble, mes amis. Nous te remercions encore de nouveau. Le sait que tu renouvelles encore nos forces. Nous te remercions car tu nous as donné la bonne santé. Et tu as mis l'urgence afin que nous venions écouter ta parole. Nous te remercions car nous avons entendu les remerciements de tes enfants. Pendant que tu guéris nos corps, nous demandons la guérison de nos âmes. Nous abandonnons tes enfants qui voyagent. Que tu puisses voyager avec eux. De même que tu as inspiré les chantres pour dire que sur le chemin va sans paix. Précède tous les voyageurs.
Quand sa mosali na yoza na bisika na kuko. Pense à ton serviteur qui est dans le lieu secret. Ouendre na mafuta na elimo santo. Pour le oindre de ton île sainte. Onctionner le samu mubimba. Que tu puisses chercher nos derniers bas. Que tu puisses onctionner toute l'assemblée de la chair jusqu'au dernier bas. On peut s'abîmer la révélation la meilleure. Que tu puisses nous donner la révélation la meilleure. Ou bah qui c'est l'abîmer sous ouverti mon sous son colo. Que tu puisses encore nous ajouter une autre vertu. Pour être toko kakokola le lenge. Afin que nous puissions croître comme toi le Seigneur Jésus-Christ tu croissais. Croître parce que tu as besoin que tu viennes faire ta demeure en nous. Bénis nos diacres. Bénis nos chantres. Bénis nos interprètes. Bénis la fille. Bénis le frère. Pambola ba bazali kola na biso na singa. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Tozali komitika na sena bokamba mina yonkolo. Nous nous abandonnons sous ta conduite, Seigneur. Yaka. Viens. Loba. Parle. Yaka. Viens. Mpesala. Et agis. Saela biso bongo. Fais-nous ainsi. Pour tozali na confiance na yo. Car nous avons confiance en toi. Tozali kobondela yo. Nous te prions. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Okoko vanda. Face à face. Page 24. Zaline sengo, gaimwa nana jambe, swalo bimpe nantimi. Yende ayaki mponangai ye akufaki, gaimwa nana jambe. Oh, 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 alleluia, basumwe limpi sami. Yekati nangai nazali waye alleluia nazwi eli mosanto dai mwana na jambe Kabwani penja na yonso ya kala Miloko teko kanganga Oyo bonso miki toko na yesu Ngai na kangami Ngai mwana na njami Aleluya, aleluya Masumweli misami Kolo ye katina Gai nazali waye Aleluya Nazwe elimo santo Gai mwana na jame Nazali komela nalizi mapendo jambe na Yesu tata nanga kaina kokumisa zeye na ye na jali nesengo kai mwana na jambe aleluya aleluya masumwe limisa kolo ye kaji
ye, alléluia, na zui eli mo santo, taïkwa na na jambe. Na pesi binombote na kombo na Yesu Christo. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous nous levons un peu pour reprendre l'écriture que nous venions de lire. Deuxième épître, deuxième lettre, il y a Pierre. Deuxième lettre de Pierre. Mukaponango, il y a Liboso. En son premier chapitre. Verset 5, verset 7. Nous commençons du verset 5 jusqu'au verset 7. À cause de cela même, Nantina na yango, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bosala makasi na bino nyonso, pona kobakisa na konyima na bino nguyango. À la vertu, la connaissance. Nanguyango, boyebiango. À la connaissance, la maîtrise de soi. Na boyebiango, komikanga. À la maîtrise de soi, la patience. Na komikanga ngo motema mulayi. À la patience, la piété. Na motema mulayi, bonzambe. À la piété, l'amitié fraternelle. Na bonzambe, bolingwa bandeko. Et à l'amitié fraternelle, ben l'amour. Na bolingongo ya bandeko, bolingongo. Amen. Amen. Bokoi kofanda. Pouvez vous asseoir. Liboso ya koleka na liteya. Avant de passer à la prédication, toko clarifier makambo mibale to misatu oyelobama ki lobby. Nous voulons d'abord clarifier deux ou trois choses qui ont été dites hier. Pour tous en la compréhension, il y a bien. Pour avoir la bonne compréhension. Lobby. Hier. Na lobaki boye. J'ai dit ceci. Ndeko Paul, tant que tu as sa lecture, il y a Mignoko, Toma Kambo, Oyo et Komelaki Bandeko Pona Kondima. Le frère Paul, lorsque nous lisions au sujet des persécutions et des souffrances dont ont subi les croyants, nous avons dit qu'on l'a lapidé. C'est vrai, il était lapidé. À l'œuvre de Dieu, il était lapidé. Mais nasalaki mention ya kokitisaye na mur. Mais je fais mention du fait de le faire descendre au travers le mur dans un panier. Le faire descendre dans un mur, dans un panier, ça aussi c'est vrai, il a été descendu comme ça. Mais ce n'était pas les deux événements qui étaient au même moment. Pour les lapider, il était lapidé. Le faire fuir dans un corbeil, ça a été fait. Mais pendant que je disais cela ailleurs, c'était comme si je mélangeais les deux événements. Et ce n'est pas ainsi. On a lapidé Pierre, Paul pour l'évangile. Ça, c'était un autre jour. Juste quand il évangélisait. On l'a fait fuir dans un corbeil. Ça aussi, c'était un autre jour. Parce qu'on cherchait sa vie. Et les frères qui étaient là, ils ont vu que s'ils sortaient dans le portail que tout le monde sortait, comme on cherchait à les tuer, il n'était pas content de sa prédication. C'est ainsi qu'on l'a fait entrer dans un corbeil pour le faire descendre dans un mur de la parcelle de la ville, pour qu'il ne sorte pas par la porte, mais
kende musika na nzela ya porte wana ti. Mais qu'elle fuit pour aller loin, pas par la porte. Alors ko kanisate ke tango toloba ki lobi ba beta ki polo mabanga et puis ba juillet ba kimisie na kitunga nde ezali événement moko eza mon côté. Ne pensez pas que lorsqu'on a lapidé Pierre Paul et on l'a fait descendre dans un corbeau que ce sont les deux événements qui se sont fait le même moment. Ko beta mabanga ezaki mokolo mususu. Le lapider c'était un autre jour. Le faire descendre dans un corbeau, c'était aussi un autre jour. Amen. 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 Tango nazalaki pe koloba. Pendant que je parlais aussi, vers la fin, nasuka penza. Naloba ki ete tokozala mesa moko biso nyonso na Jésus na basantu nyonso bate yakala. J'ai dit que nous serons autour de la table avec Jésus et tous les saints. Jean. Et je dis que Jean. N'avez-vous exemple à Jean? J'ai pris l'exemple de Jean. Jean akoloba nangai. Jean me dira. Ngai na teya ki Yesu yoza komona ye. Moi j'ai prêché, c'est Jésus que vous voyez. Et na baptisa ki ye. Et je l'ai baptisé. Na baptisa ki na kombo na ye. Ah, je l'ai baptisé en son nom. Te na baptisa ki na zayi ko baptisa bato na kombo na ye. Ah, ok. J'ai baptisé les gens en son nom. Ngai na koloba na Jean. Alors moi je dirais à Jean. Oui, ngai pe na teya ki ye. Moi aussi je l'ai prêché. Pe na zalaki ko baptisa bato na kombo na ye. J'ai baptisé aussi les gens en son nom. Yo zalaki na Jourdain. Toi tu étais au Jourdain. Ngai na zalaki na mai Anjili. Moi j'étais à la rivière d'Anjili. Mais en réalité, kasikati na bosoro. Baptême ya Jean. Le baptême de Jean. Ezalaka baptême ya Jésus te. Ce n'était pas le baptême de Jésus. Ezalaka baptême de la repentance. Amen. C'était le baptême de la repentance. Ye a baptisa ki? Lui a baptisé. Nous aussi nous baptisons. Il a prêché Jésus. Il a présenté. Nous aussi nous le prêchons. Mais pendant que lui baptisait. Il est baptisé pour que les gens croient Jésus lorsqu'il viendra. Il ne baptisait pas les gens au nom de Jésus Christ. Mais nous aujourd'hui. Nous baptisons les gens au nom du Seigneur Jésus Christ. Ne sois pas troublé. Amen. Amen. Celui qui m'a interprété hier, après le culte, il m'a dit, Frère Donat, tu as dit quelque chose, mais j'avais des difficultés pour traduire. J'ai dit, c'était quoi? C'est que tu as dit que Jésus viendra comme un voleur. J'ai dit, je ne sais pas cela. Pour que je le sache, je dois encore suivre la bande parce qu'on est en train d'enregistrer notre vie. Mais si je l'ai dit comme cela, ça ne peut pas être ainsi. Oui, Bible oui la Bible dit il viendra comme voleur. Mais ce n'est pas par rapport à l'enlèvement. Nous, tel que nous l'attendons, il ne viendra pas comme un voleur. Message parce que le message nous avertit. Nous écoutons sa parole. Et puis, et même si réellement nous ne connaissons pas les jours, le bon langage à tenir, soyons préparés. Parce que le jour qui viendra, nous ne le connaissons pas. Mais parler dans ce langage-là, ce n'est pas en rapport avec la venue de l'enlèvement. Amen. Amen. Nalobi yango parce que ye alobaki na ngalobi nalobaki. Menanu natikali kolanda ta bande te. Mais lokola mosali nyonso ya Nzambe, mwana nyonso ya Nzambe. Soki mwana moko aza vexé. Peut-être ayoka ki yango ka ye moko te, basusu pe bayoka ki yango. Yango nalingaki na clarifier yango. Je l'ai dit parce que lui m'a rappelé de cela. Si je l'ai dit, je n'ai pas encore suivi la bande. Bon. Ya solo toyebi mokolo te. C'est vrai, nous ne connaissons pas les jours. Ya solo toyebi ngonga Yesu akoyate. C'est vrai, nous ne connaissons pas l'heure que Jésus reviendra. Mais la parole que nous prêchons. Ils ont mettre biso en garde. Nous met en garde. Biso il faut to bongama. Nous devons nous préparer. Po mokolo yango ya koya. Parce que ce jour qui viendra. Biso pe toyebi yango te. Nous aussi nous ne le connaissons pas. Est-ce que l'assemblée est là? Est-ce que l'assemblée est ici? Mais nakoki ko prononcer te que akoya lokola moyibi. Mais je ne peux pas prononcer qu'il viendra comme un voleur. Mais si tu lis dans la Bible, tu vas trouver les endroits où il est dit qu'il viendra comme voleur. Mais ce n'est pas un rapport avec l'enlèvement. Non. Il
balingami. Bien aimé. Litea na biso ezali lolenge ya moto oyo abongi be. Notre sujet est que la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait. Botongami ya moto oyo esengeli ete Nzambe aya kofanda kati na ye. La stature d'un homme parfait. Souci ya Nzambe ezali aya kofanda kati na moto. Le souci de Dieu c'est qu'il vienne habiter dans l'homme. Nzambe afanda kananda ko batonga na maboko ya batu. Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains d'homme. Nzambe afanda kana église oyo ezana bolongo awa te. Dieu n'habite pas dans cette église qui est sur bolongo. Dieu voudrait habiter dans ton corps, dans mon corps. Alors, c'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a appelés. Et il ne va pas habiter avec nous de la nature que nous avions au début. Il habitera à nous de la manière dont lui voudra qu'il viendra et habiter à nous. Alors cette manière est telle que c'est ce que nous apprenons. La vie éternelle ou le salut. Cela n'est pas un rapport de l'œuvre de quelqu'un. Oh, j'ai travaillé, il faut qu'on me paye. Non. Dieu nous a sauvés gratuitement. Tu n'as encore rien fait, il a vu qu'il doit te sauver. Nous sommes sauvés du fait d'avoir Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu as entendu un jour Gabriel, le frère Gabriel Azali Koloba, disait et les paroles qu'il disait c'était vrai ete batoyo babiki na kombo na Nzambe bazaka na message te bazatana bibongiseli que ceux qui sont sauvés au nom de Dieu ne se trouvent pas seulement dans le message, ils se trouvent aussi dans les dénominations. Ok, babiki pona nini, ils sont sauvés pourquoi? Po bandima ki Yesu lokola nkolo pe mobikisi, parce qu'ils ont Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moto nyonso azali kotia motema na ye nde na ebongiseli na ye, tout un chacun qui se confie à sa dénomination azana libunga, il est dans l'erreur, akozwa pe bomoi te, il n'aura pas la vie. Po ebongiseli mokote epesaka bato bomoi, parce qu'aucune dénomination ne donne la vie aux hommes. Celui qui donne la vie aux gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la raison pour laquelle il est venu. Même, même si tu n'es pas dans notre assemblée ici, quelque part, tu es quelque part et tu l'as crié de tout ton cœur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Il a pris la première place dans ton cœur. Tu es sauvé. Amen. Loba amen. Dites amen. Osa sauvé. Tu es sauvé. Et là, que ça n'y si bison n'a pas sauvé mosusu wana. Ce qui nous différencie d'autres sauvés. Eza groupe ya biso lokola tondimi message oyo ye Christ atindi na tango oyo. C'est notre groupe ici qui ont cru le message que le Christ a envoyé en cet temps. Alors na kati ya message. Alors dans le message. Ils ont préparé des bateaux oyo et sengeli bakende na lola esika ya zali. Prépare seulement ceux qui iront au ciel là où il est. Libanda ya message oyo ye na ntango na bino. En dehors de ce message qui est venu en notre temps, ezana moto mokote akokende na enlèvement. Il n'y a personne autre qui ira à l'enlèvement. Bato bakokende na enlèvement. Ceux qui iront à l'enlèvement. Eza bateau oyo bayambi message ya Jésus na eleko bango bavandi na mabele. C'est seulement ceux qui ont reçu le message de Jésus pendant le temps qu'ils habitent dans sur la terre. Mais na kanisite ke zali assemblée mobimba ndeke tofandi awa. Mais je ne pense pas que c'est toute l'assemblée telle que nous sommes là. Si. Non. Ba candidat enlèvement bazana kati na biso. Les candidats pour l'enlèvement sont parmi nous. Parce que batonyo so bandimi message oyeye na tango na bango. Parce que tous ceux qui ont cru le message qui est venu en leur temps. Tokoki ko bosa na te que na groupe nyonso ya bandimi ezalaka na trois sortes de croyants. Nous ne pouvons pas oublier que dans tous les groupes il y a toujours trois sortes de croyants.
Et puis, tokoko kanisate ke bato bako kendo enlèvement, baza kaka na lingwala. Et nous ne pouvons pas penser que ceux qui iront à l'enlèvement, ils sont seulement à lingwala. Té. Non. Na Kinshasa wa. Ici à Kinshasa. Tuzana ba assemblé, oye lobi, bandimi message, loko la biso, pe baza na sene doctrine, et belé, me bango nyon so baza kaka na lingwala té. Nous avons des assemblées qui ont créé le même message, disons, le message, qu'est-ce que je dis? La saine doctrine, mais tous ne sont pas à lingwala. C'est ça. Tous les assemblées sœurs, nous avons des assemblées sœurs qui croient comme nous, ils sont ici à Kinshasa. Nous citons Delvaux. Nous citons Motangi. Nous citons Caligres, ça c'est selon nous les hommes. Hein. Si les enfants de Dieu sont là, ils sont des candidats pour l'enlèvement. Ils s'en iront. Alors, il faut alors toi, tu dois croire la parole de Dieu telle que c'est prêché, que tu puisses la croire. À cause de cela même. Nantina na yango kutu. Faites tous vos efforts. Bo sala makasi na bino nyonso. Pour joindre à votre foi. Pona kobakisa na konyima na bino. La vertu. Nguya. Ndeto koloba lelo na oyetali vertu. Aujourd'hui nous parlons sur la vertu. Eza moko ya libanga, moko ya brique. C'est na edifice wana. Ligne de pierre. Ligne de pierre, ligne de brique dans cet édifice que Dieu construit. Est-ce que l'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? Faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est-à-dire foi moboko. C'est-à-dire que la foi est le fondement. Foi nde et bandeli. C'est la foi qui est le commencement. Pour moto akoma vraiment kolinga nzambe, mwana nzambe, kosalela nzambe, ko bénéficier nzambe, il faut abandonner la foi. Pour que quelqu'un arrive à aimer Dieu, servir Dieu, suivre Dieu, il faut qu'il commence par la foi. Foi pèse à imagination. La foi aussi, ce n'est pas de l'imagination. Foi, la il foi, faut la baser na ba écriture. Ça doit être basé sur les écritures. La baser na oyo nzambe aloba. Basé sur ce que Dieu a dit. Kondima na yo e kotele mande wana. Ta foi sera basée là. Kondima ya makambo ya bokoko na binote. Pas la foi dans vos coutumes. Kondima ya église moko yo zala ki boite. Pas dans la foi dans une église que tu étais. Kondima ya oyo nzambe aloba. La foi de ce que Dieu a dit. Soko nzambe alobi. Si Dieu dit. Yo ndimi yango. Et tu crois. Nde tozo bengango la foi. C'est ça ce que nous appelons la foi. Wana nde nzambe azako veye likolo na wana. Là Dieu est en train de veiller sur cela. Nzambe moto apesaka yango. C'est Dieu qui la donne. Ya pesi yo kondima. Il te donne la foi. Ezali ebandeli ya kotonga yo. C'est le commencement même de ta construction. Amata na yo libanga likolo ya libanga. Mais il faut qu'il te bâtisse pierre sur pierre. Et libanga oyo elandi foi, c'est la vertu. Et la pierre qui vient après la foi, c'est la vertu. 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 Na elobeli mosusu. En d'autres termes. Eza la force. Ezali bokasi. La force de Dieu. Bokasi ya nzambe. La puissance de Dieu. Nguya ya nzambe. Okozwa yango te na yo moko. Tu n'en auras pas ça de toi-même. Tout ne vient que par la parole de Dieu. La foi Kondima. Dans la parole. Katina liloba. La foi de la parole. Kondima ya liloba. La vertu de la parole. Nguya ya liloba. Nako pesa un exemple moko avant na leka. Je vais te donner un exemple avant de passer. Omoni policier oyo babenga kaye roulage. Oui, le policier qu'on appelle roulage. Est-ce que l'assemblée est là? Est-ce que l'assemblée est ici? Atele makana nzela. Il se tient sur la route. Azana sifflet. Il a un sifflet. Azam moto. C'est un homme. Lokola yo. Comme toi. Lokola ngai. Comme moi. Lokola batonyos. Comme tous les hommes. Mais tokeseni na ye. Mais nous sommes différents de lui. Ngai soki na telemi na nzela na telemi sa motuka.
Moi, si je me tiens, si je me tiens sur la route pour arrêter le véhicule, si je fais l'erreur, il va me broyer. Mais lui, cet homme-là, le policier, même s'il est chétif, même si c'est une femme, juste parce qu'il porte l'uniforme là de roulage. Et la loi de l'État est à lui. Il a son sifflet là. Même si c'est un grand conteneur qui vient. Ce policier devant le conteneur, il est comme un petit animal. Mais s'il se tient avec son sifflet, il fait prends. Tu verras seulement le véhicule comment ça. Ça n'obéit pas le policier. Mais ça obéit la loi qui est dans le policier. Sa force moko. Alléluia. Ça obéit à une force. Est-ce que bon soliango? Avez-vous compris cela? Et puis yoko yoko kam. Et tu peux t'étonner. Oh, mais mi tuketele mi bele bele boye. Oh, mais beaucoup de véhicules se sont stationnés comme ça. Quand acheka loboko na yebo. Juste quand il lève sa main. Bamusu bango azalia. D'autres sont ici, hein. Mi tuketandami. Des véhicules s'étendent là. Bazo to sa yete. Ce n'est pas lui qu'on obéit. Toi, si tu essaies de faire cela, tu as un problème avec les véhicules. On peut te broyer. On peut te tuer. Mais lui, on ne les craint pas comme homme. On les craint parce qu'en lui, il a un pouvoir. Qu'on l'a légué. Dites amen. Et pas pour nous, les croyants. Vertu. C'est cela la vertu. Masoum. Les péchés. Démons. Les démons. Ndoki. Les sorciers. Mokili. Le monde. Et banga yote po oza molayi loko la frey loko. Ne te craindra pas parce que tu es géant comme. Dope oza na ba paquet loko la moto ya bundaka kachi. Ou soit tu as des paquets comme un quartier. Yago banga yo. Lui va te craindre. Et la ndoki, que soit les sorciers, les magiciens, que soit les magiciens, la masumu, que soit les péchés, la mokili, que soit le monde, kaka soki katina yo. Juste lorsque, si ozana, en toi, ozana vertu wana. Tu as cette vertu-là. Le baben. Dites amen. Ah, il faut, kozanga ngote. Ah, ne manque pas ça. Pour soki ozangi yango. Parce que si tu manques ça, bako beta yo bambatana makofi na satana. On va te donner des coups par Satan. Hein. Il ne va pas te craindre. Oh, mais il m'arrête, qui est-il lui? Il n'a rien en lui. Et Salama. Ça s'est fait. Et Salama. Ça s'est fait. Polo. Paul. Est-ce que l'assemblée est ici? Milimumabe. Les démons. Bandoki. Les sorciers, les magiciens, Masumu, les péchés. Azalaki ko konza yango. Il dominait sur cela. Sikoyo. Maintenant, ezaki na bandeko moko, bazaki sept. Il y avait quelques frères au nombre de sept. Bango bayeba kite pourquoi Polo. Et ne savait pas pourquoi. Nakamwezo sale mayamine ndenge wana na bomo inaye. Les choses se faisaient des grandes choses dans sa vie. Ils ont dit, nous allons l'imiter. Les choses de Dieu, on n'imite pas. Soit ce que tu es. Si tu n'as pas encore crié Dieu, crois-le. Si tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu, demande-lui, va. Si tu n'as pas encore cru la parole de Dieu, elle est en train d'être prêchée. Ça ne sera pas ton effort à toi. Mais c'est la parole de Dieu en toi qui produira toutes ces choses. Est-ce que l'Assemblée est contente? Alors, c'est sept enfants. On les appelle, c'était des enfants de Keva. Et ils ont trouvé un fou. Ils ont dit bon. Au nom de Jésus. Nous voyons seulement Paul dire au nom de Jésus. Et quelqu'un est guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La chose s'est faite. Nous allons prononcer seulement au nom de Jésus. Ils sont entrés. Ils ont trouvé un fou.
avec des liens. Yo, toi. Au nom de Jésus. Dans comment on a eu? Oyo Paul a sa côté yaye. Que Paul prêche. Bima, sort. Alors, Motaliboma a talibangona noti. Le fou les a d'abord observés. Alobi, bon. Il a dit bon. Yesu oyo Paul a zoté yaye nga na yebi. Jésus que Paul prêche, je le connais. Azanzam. Il est Dieu. Azananguya. Il est puissant. Abikisaka. Il guérit. Abingana kabisu. Il nous chasse. Paul. Paul. Oyo a zoté ya Yesu wana. Paul qui prêche c'est Jésus là. Biso peto yebi. Nous aussi nous le connaissons. Andima Yesu na ndenge ya solo. Il a créé Jésus véritablement. Pe azananguya. Et il a la puissance. Pe. Oyo nzambe asala kananjela na ye to yebi yango. Ce que Dieu fait par lui, nous savons. Siko bino banane. Maintenant vous qui êtes-il? Vous qui êtes-vous? Alors moto ali boma? Alors le fou là? Na force ya zanango? Pas la force qu'il avait? Po aza ye mon côté. Parce qu'il n'est pas seul. Oyo asali sakabato amaboma makambo basala ka wana ezaka bangote ezaka milimo moko kati na bango. C'est lui qui fait faire les fous, ce qu'ils font là. Ce ne sont pas eux, mais ce sont les démons qui sont en eux. Allez. Kati basinga na ye. Alors, il a coupé ses liens. Alandi bango. Il les a suivis. A beti bango. Il les a frappés. A longoli bilamba na bango. Il a ôté ses vêtements. Bango ba pota. Il les a blessés. Bato ba pakati mbango. Et ils ont fui. Mais Paul a bazaki ko pakata mbango te. Mais pour Paul, il ne fuyait pas. Au contraire. Zokande. Paul. Paul. Soka ye liboso a moto a mabe wana. S'il vient devant cet homme. Molimo wana a mabende ko kima ye. C'est ce démon là qui va le fuir. Mais ya ko kima liboso a molimo mabende. Lui ne va pas fuir devant les démons. Azalaki na vertu. Il avait la vertu. Azalaki na puissance. Il avait la puissance. Azalaki na pouvoir. Il avait le pouvoir. Ya Jésus. De Jésus. Soit vous êtes d'accord, boloba amen. Si vous êtes d'accord, dites amen. Oza mondimi. Tu es croyant. Osali bien. C'est bien. Ozana kondimi. Tu as la foi. Ondimi Yesu. Tu as qui Jésus. Ndima Yesu solo solo. Crois véritablement. Paul iloba na nzambe oyo ndimi yango. Parce que la parole de Dieu que tu as crié. Epesa yo ba capacité mosusu. Puisse te donner d'autres capacités. Epesa yo ba briques mosusu. Que te donne d'autres briques. Brique yo elandi foi yango ana vertu. La brique qui suit la foi, c'est la vertu. Tala na Luc chapitre 8. Regardez dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8. Tu bandi verset 43. Commençons à partir du verset 43. Or, Zokande. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ezomaki mwasi moko kotangaka makila kati na mibu zomi na mibale. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Oyo abimisaki biloko na yenyonso pona ba minganga. Sans qu'aucun n'ait pu le guérir. Na kozanga ete moko ako kokobikisa ye. Et komaki anomalie. C'était devenu une anomalie. Et comment qui anormal. C'était anormal. Toyebi que moi si azana cycle. Nous savons que la femme a un cycle. Mais a limité. Mais c'est limité. Attaque que vous allez dengue mon côté et pas basignos. Même si ça ne peut pas être pareil chez toutes les femmes. Mais que vous comme à moi na moi souhaité. Mais ça ne peut pas être comme cette femme ici. Moi, moi, si yo, cette femme et comme mosus, était devenue autre chose. 12 ans. 12 ans. Et chaque jour. Pe mokolo na mokolo. Makile bimagaye. Le sang sortait. Bible lobby. La Bible dit. A dépensa nios. Elle a dépensé tout. Et pas minganga. Chez les médecins. Poba meka kotele misayango. Pour essayer d'arrêter cela. Mais ça n'a pas pu. Mon frère, ce que tu lis au apenda, au tangi na li soit molim. Mon frère, si tu lis ici avec un œil spirituel. Moto akoku fana maladie te kaka sokonza mbayeba kokoku fana maladie. Quelqu'un ne peut pas mourir de la maladie si Dieu n'a pas décidé comme ça. Loba amen. Dites amen. 12 ans c'est trop. 12 ans c'est trop. Perte de sang. Perte de sang. Chaque jour. Mokolo na mokolo.
Or bato ba potaka mbangu wawa. Bon mais maintenant na hôpital pota wana ezobi misamakila ebele hein akoya ko kufa. Alors les gens fuient vite dans l'hôpital. Oh regardez cette plaie là, il est en train de saigner, il va mourir. Zokande nzambe atika ka ba maladi musu po na nkembo na ye. Alors que Dieu laisse d'autres maladies pour sa gloire. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres maladies. Ici sur la terre. Et réservé. Pour Jésus. Pour Jésus lui-même. Pour que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Elle a tout fait. À Salakinios. 12 ans. Mibouzo minamibale. A Komaki déconsidéré. Elle était devenue déconsidérée. Exemple. On pouvait la demander au mariage. Mais les gens disent, ah, elle? Non, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, pourquoi? Elle est comme ceci et cela. Si elle s'assoit dans une chaise, elle se lève pour partir. Elle cherche d'abord à regarder est-ce que la chaise est abîmée ou pas. C'était difficile. C'était vraiment difficile, pénible. Alors, a tient foi. Alors, elle a mis la foi. A bandi na foi. Elle a commencé par la foi. Alobi na luki minganga. Elle dit, j'ai cherché le médecin. 12 ans. Et je dépensais tout. Je n'ai plus d'espoir. J'ai entendu que Jésus il a fait des prodiges parmi les hommes. Il faut en profiter. Je dois profiter. Je n'ai plus l'argent à donner. Quel hôpital irais-je? Mon frère, si tu entends que tu es au bout, dans ta maladie ou dans ta situation, ne décourage pas. Jésus est vivant. Et puis, et quelqu'un, lorsqu'il cherche, a bénéficié de bénéficier quelque chose à Jésus. Il va créer des choses de manière extraordinaire. Qu'on appelle créativité. Jésus aïe. Yesu aïe. Moi, na moi, si wana. Cette femme. Il faut na kenena se présenter pas na ye. Je dois aller me présenter auprès de lui. Na kani si aza docteur, loko la ba docteur ou na si na moni bangote. Je pense qu'il n'est pas docteur comme ceux que j'ai déjà consulté. Il faut pena mon aïe. Je dois aussi le consulter. Mais, mon aïe boni. Mais comment il va le consulter? Ba tu es belé. Beaucoup de gens. Moi, Jésus a kese inabiso. Oui, Jésus est différent de nous. Ya zala kinzam. Lui était Dieu. Biso dozo tanga makomi. Nous lisons les Écritures. Mais ye moko azala ka makomi. Lui-même était les Écritures. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Pour affronter Batouana. Alors, pour affronter ces gens, arriver jusque là où était Jésus, c'était difficile. Vous voyez même les médecins. Nous avons beaucoup de médecins ici dans notre assemblée. Ils sont là devant. Des fois, d'autres sont en train de me suivre ce soir. Même eux, ils savent que Minganga Nabiso. Nos médecins, nous, et d'autres, ils savent. La guérison, c'est Dieu. Dites Amen. Ils le savent bien. Frère Franck, et tous ses frères qui sont là. Bande, ils le savent. Celui qui guérit, c'est seulement Dieu. Mais ils ne peuvent pas croiser les doigts. Ils vont essayer de t'aider. Mais comme ils sont des croyants, ils associent leur intelligence avec Dieu. Ils laissent à Dieu la responsabilité. Avant d'opérer quelqu'un, ils invoquent Dieu. Avant de traiter un homme, ils invoquent Dieu. Parce que Dieu a dit, nous avons dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans tout, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Gardez Moussapiao. Gardez le passage. Token un nombre dans l'Ancien Testament. Allons-y dans l'Ancien Testament. Chapitre 21.
Chapitre 21. Il y a nombre. De nombre. Verset 8. Le verset 8. Et 9. 8 et 9. L'Éternel a dit à Moïse. Yahweh l'a dit à Moïse. Fais-toi un serpent brillant. Misalela nyoka moko ya kosua. Et place-le sur une perche. Peche yango likolo anzete. Nyoka moko ya kutumba. Un serpent brillant. Quiconque aura été mordu. Yewoyo akozala ya kosuana. Et le regardera. Pakota lango. Conservera la vie. Akobate la bomoi. Moïse fit un serpent de reins. Moïse asalaki nyoka wana ya mutako. Et le plaça sur une perche. Pe achakil yango likolo na nzete. Et quiconque avait été mordu par ce serpent. Pe yewoyo. Baswaki ye na nyoka wana. Na nyoka. Et regardez le serpent de reins. Pazaki kota la nyoka ngo ya mutako. Conserver la vie. Azaki kobate la bomoi. Totangi li komi opona nini? Pourquoi avons-nous lu cette écriture? Tala bilamba ba médecin. Regardez le médecin, les habits de médecin. Kati na ba frère na biso ba médecin. Je sais pas parmi nos frères médecins. Soki bazana bilamba ya ndenge ya pembe ou balataka. Si sont des habits en blanc. Là. Vous voyez, on a dessiné un arbre. Dessiné nyoka. Ils ont dessiné un serpent. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez sur les habits de médecin. C'est qu'ils portent les blouses blanches là, la plupart. Tu verras, il y a un fer là. Et on a dessiné un serpent. Et ça vient d'ici, à partir de cette écriture. C'est pourquoi j'ai dit que les médecins savent que la guérison vient de Dieu. Lorsqu'Israël, ils venaient de la servitude de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils ont murmuré, ils ont mal parlé. Dieu a envoyé les serpents pour les morts. Et beaucoup sont morts par le venin. La partie restante, on a dit à Moïse, nous avons mal agi. Nous sommes opposés à toi. Nous sommes opposés à Dieu. Prie Dieu. Nous n'allons plus encore murmurer. Regardez comment les gens sont morts. Regardez comment les gens sont morts. Dieu a dit à Moïse, fais-toi une perche. Sala nyoka. Et fait un serpent d'airain. Nama bende. D'airain. Alors, motonyon soyo nyoka ko soye. Quiconque sera mordu par le serpent. Yebisaye kaka sokwa. Tali kaka nyoka wana ndenge aza wana serpent. Dites-lui, lorsqu'il regarde seulement ce serpent d'airain. Alors, la morsure de ce serpent-là va se disparaître. Et ils ne mourront pas. C'était ça la guérison. Ezaki wana libiki. La guérison divine. Libiki ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? C'est pourquoi vous voyez même Jésus. La croix. À la croix. Tout celui émergé par le péché du monde. Et soyez. L'a mordi. S'il élève sa vie, il le regarde à la croix. Là où Jésus était crucifié. Alors la morsure du péché, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez. Ils ont ces signes-là de serpent. C'est un signe de guérison. C'est un signe de guérison. Ils ont eu ça à partir de ça. Et ils le savent bien. Surtout nos frères à nous. Qui connaissent Dieu. Ils savent que malgré Batangi, malgré qu'ils ont étudié, mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Il peut t'opérer. Il t'enlève la maladie. Mais c'est lui qui va te guérir de cette maladie-là. C'est Dieu. Pourquoi? Nous n'avons pas encore de médecin ici sur la terre. Notre Dieu, le premier médecin au jardin d'Eden. C'est lui qui a opéré la côte de l'homme.
pour sortir la femme. Et il a couvert ça. Il est différent des médecins qui sont ici. C'est pourquoi nous disons. Même ce soir. Il peut te faire une opération. Mais de nos yeux comme ça ne voient pas. Parce qu'il est Dieu. Mais cela dépend de la foi du cœur de l'homme. Ne considère pas la grandeur de ta maladie devant Dieu. C'est Dieu qui est plus grand. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que ta situation. Amen. Amen. Alors, moi, si on a dépensé qui trop 12 ans. Alors, cette femme a beaucoup dépensé. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Si nous faisons lever un enfant de 12 ans ici parmi nous, c'est alors que nous verrons combien d'années cette sœur-là souffrait de sa maladie. Verset 44. Le verset 44. Il y a Luc chapitre 8. De Luc chapitre 8. Elle s'approcha par derrière. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendait. Lokola pense bazaki ko wangana. Pierre. Petelo. Et ceux qui étaient avec lui dirent. Pena ba bazaki longona yeba lobaki. Maître. Kolo. La foule t'entoure. Et beleba ko zingela yo. Et te presse. Pe bazali ko kamola yo. Et tu dis. Et okoloba. Qui m'a touché? Nanya mama kinga. Jésus dit. Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Motomoko a Simba Kingai. Car Jambi, j'ai connu que na yebakete, une force Bokasi moko, était sortie de moi. Et bimaki utanangai, une vertu. Bokasi moko. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous? C'est cela ce que nous devons aussi avoir. Le kolabana ensemble. Comme enfant de Dieu. Est-ce que bolingi yango? Est-ce que vous aimez cela? Deuxième vertu. Te voilà avec la foi. Te voilà, tu as écrit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne t'arrête pas là. Bunda. Combat. Bondela. Prie. Sepela. Réjouis-toi. Le Dieu, fais-moi croître. Vertu. Que j'ai aussi la vertu. Nkolo. Seigneur. Bibele bazingio. La foule t'entoure. La foule te presse. Mais comment puisses-tu dire quelqu'un m'a touché? Il a dit quelqu'un m'a touché. Par la foi. Il m'a touché par la foi. Il ne m'a pas touché n'importe comment. Il m'a touché, il a fait que ma puissance puisse sortir. Vertu. Nguya. Verset 47. Le verset 47. La femme. Moi si. Se voyant découverte. Komonake te ayebanaki. Azipolami. Azipolamaki. Vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Ayaki na kolenga nyoso komiwa kaka na makolo na ye. Et déclarant devant tout le peuple. Pe atatola ki polele liboso na libota mobimba. Pourquoi? Bonanini, elle l'avait touché. Asimbakiye. Et comment? Pelolengeni. Elle avait été guérie. Abiki samaki. À l'instant. Kaka nambala moko. Alléluia. Alléluia. Oh, te Yesu azanzambe. Oh, Jésus est Dieu. Moi si,
La femme ne pouvait pas rester cachée. Toi aussi, si Jésus t'a guéri, ne reste pas caché. Ôte la honte de dire que Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Tu es enfant de Dieu, il ne faut pas te couvrir. Tu es à l'école, qu'on te connaisse. Si vous êtes d'accord, dites amen. Tu es au marché qu'on te connaisse. Tu es au travail qu'on te connaisse aussi. Un chrétien ne se cache pas. Tel que toi et moi nous sommes aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Il faut ba chef na yo ba ye ba yo za mwana nzambe. Il faut que tes chefs te connaissent que tu es enfant de Dieu. Il faut belle famille na yo ba ye ba ke yo za mwana. Il faut que ta belle famille sache que tu es enfant de Dieu. Il faut baninga bota Il faut que tes collègues de l'école puissent savoir que tu es croyant. Ne te cache pas. Cette femme-là, voyant qu'elle était découverte, elle s'est jetée. Elle s'est agenouillée. La Bible dit, a expliqué pourquoi Simbi Jésus. Elle a expliqué aux gens pourquoi elle avait touché Jésus. Na sala 12 ans. J'ai fait 12 ans. Na souffrir. J'ai souffert. Na mona minganga. J'ai consulté le médecin. Médecin tel. Un tel 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 médecin. Et simbate. Et ça n'a pas tenu. Ba voisin nanga mingi bayebi yango. Tous mes voisins connaissent cela. Moyen ba balanga ezate. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse me marier. Mais tant que Jésus a yé, alors quand Jésus est venu, na luka ki na kende na pose kananga e pana yé, j'ai cherché à aller poser mon cas auprès de lui. Moya koko ma pembeni na yé zakite. Il n'y avait pas moyen de m'approcher. Naza insignifiant na miso abato. Je suis insignifiante aux yeux des hommes. Nazo tambola makila ezo tanganga. Je marche avec la perte de sang. Alors na sali violence. Alors j'ai fait violence. Frère, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Ezalinde batu ya makasi nde bazwa ka bokonzi na za. Loba mene. Je t'amène. Le royaume de Dieu, pour y entrer, il faut être violent. Ne sois pas violent comme un incivique. Être violent, c'est à partir de ta décision. Que tu crois la parole de Dieu. Que Dieu a dit, c'est comme ça que je vais croire. C'est comme ça que je vais agir. Elle leur a raconté pourquoi elle est passée par derrière pour toucher son vêtement. Pour elle, elle a dit telle qu'elle se tenait là, même si je touche la main, même si je n'ai pas touché, même le vêtement qu'elle porte. Quelle foi! Kondimanini. Si tu connais qui est Jésus dans ta vie, tu n'as pas le même hier, aujourd'hui, et il est parmi nous. Est-ce que Jésus est allé? Croyez-vous que Jésus est ici? Oui, il est ici. Parce qu'il a dit, là, ou deux, Mibale, ou trois, Tomisat, sont assemblés en mon nom. Je suis one. Nazali one. Il n'est pas physiquement, mais il est spirituellement. Tel que tu es là, lui aussi est ici. Ce qui foi na yo. Si ta foi. Au présenter hier liboso na yo ndenge liloba na ezote. Tu te présentes devant lui tel que sa parole est en train de prêcher. Tu ne sortiras pas d'ici avec le problème là. Tu auras ta solution. Amen. 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 Sœur Moko atuna ki nga lobby. Une sœur m'a posé une question. Écriture oyo diable. L'écriture qui dit a résisté qu'à ange. Que le diable a résisté à l'ange. 21 jours. Ezawap. C'est où? Na ebisa ki na koya na ngolo lobby pa na yo. Je lui dis que je vais te l'amener demain. Eza na Daniel. C'est dans Daniel. Chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Yo vandi wana. Toi, tu es assis là. Libondeli na wana ya kala pone loko wana uzaka nango besoin. Ton ancienne prière là, pour la chose là que tu avais besoin. Zambe asi a reponda yo. Il peut arriver que Dieu t'a déjà répondu. Mais pour réponse yango e koma. Mais pour que la réponse t'arrive, bundisa ngo na mipepe. Ah, on peut combattre cela dans les airs. Na Satan. Par Satan.
Mais ce qui est au foi. Mais si tu te tiens dans la foi. Comme Daniel. Comme Daniel. Souka souka et koko mela. Fin de compte, cela va t'arriver. Parce que Daniel a quoi qu'il décourage. 21 jours ils ont moqueté. Parce que Daniel pouvait décourager 21 jours, ce n'est pas peu. Trois semaines. Successives. Alongo la foi na libonde li na yete. Il n'a pas enlevé la foi dans sa prière. A découragé te pour na moni réponse te. Il n'a pas découragé parce qu'il n'a pas reçu la réponse. Non. Te. A ndimaki na motema na yeke nzambo ya sala litoi asi ayoki libonde li na. Il a cru de tout son cœur que Dieu qui a fait l'oreille a entendu sa prière. Il ne va pas m'abandonner. Tanga wana kita. Li à partir de là en descendant. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. À l'instant. Ayoki mbala moko makila ekati. À l'instant, le sang s'est arrêté. Omoni. Voyez-vous? Vertu. La vertu. Et bima ke pa inankolo. Est sorti du Seigneur. Et bikisi mwana mwasiwa. Et a guéri la femme. Vertu c'est la force. La vertu c'est la force. La puissance. La puissance. Divine. Yanzambe. Tout enfant de Dieu a ça. Cette vertu-là, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur. Tout enfant de Dieu. Ils allaient prendre moi sur Nzambe. Dites Amen. Prie Dieu. C'est une puissance. Ils allaient Nguya. C'est une force. Ils allaient force d'attraction. Bokasi wa yekobenda. Ce n'est pas seulement pour guérir le malade. C'est aussi pour aider les pécheurs. Si quelqu'un a la vertu de Dieu, beaucoup de gens seront sauvés par lui. Beaucoup croiront Jésus à travers lui. Parce que tu es en train de répandre cette vertu. Vous voyez cela, Dieu? Non. Tu es enfant de Dieu. Tu as la force de Dieu en toi. Toi, tu ne vois pas d'autres sœurs, son mari païen. Se sont mariés étant païen. Et la sœur a cru. Mais elle n'a pas divorcé. Mais elle demeure toujours avec ce homme-là. Finalement. Vertu wana. Cette vertu-là. Et rapprocher pe mobali na nzambe. Rapproche aussi le mari de Dieu. Nayebaka sœur moko et puis bato mingi pe bayebi sœur angwawa. J'ai connu une sœur et beaucoup connaissent cette sœur. Mon sœur Apo. Na olobango po na lokoma. Son nom c'est la sœur Apo, je l'ai dit pour la gloire. Mobali nae frère Nsumbu. Son mari frère Nsumbu. Frère Nsumbu azaki préfet des études. Frère Nsumbu était préfet des études. Sœur Apo azalaki mundine. La sœur Apo était croyante. Bauta Kinshasa wa. Ils sont venus ici à Kinshasa. Batidi bango mutation à l'intérieur. On les a envoyés en mutation à l'intérieur. Mobali azali licencié en géographie. Le mari est licencié en géographie. Un païen. Mais sœur. Mais la sœur étant croyante. Kozaka mundimia mwa. Azalaka na vertu. Kozaka na nguya. Azaki kotosa mobali naye. Elle était soumise à son mari. Est-ce que l'assemblée est ici? On les a invités dans un village Luango. Na Luango. À Luango. Frère, soki ayoko zwa mbongo ya ba enseignant na Bwende. Frère, s'il vient chercher l'argent des enseignants à Bwende, azui farde ya Tumbaku. Il prend la farde là de Tumbaku. Atikeli sœur. Il laisse à la sœur. Teka yango. Vends cela. Okubanda kolia na yo na bana. Tu vas survivre avec ça. Mais il dit que sœur, c'est une sœur en Christ. Mais il savait que la sœur, c'était une sœur en Christ. Il ne va même pas toucher ça. Il ne va même pas vendre cela. Nandenge frère akei. Tel que le frère Nandenge akozonga. Tel qu'il reviendra. Il va trouver sa farde de Tumbaku. Mais sœur azaki na confiance qu'à Nzambe. Mais la sœur n'avait confiance qu'à Dieu. Nzambe azaki kolei saye. Et Dieu la nourrissait. Nzambe nde muto alei sakabiso. C'est Dieu qui nous nourrisse. D'une manière ou d'une autre. Le lenga makoto mususu. Le Dieu d'Élie.
Zambe ya Elia. Oyo ba corbo ba leisaka Eli. Donc les corbeaux ont nommé. Il le long nano a changé te. Jusqu'aujourd'hui n'a pas changé. Mobali na ye. Son mari. Atali vie à sœur. A observé la vie de la sœur. Atali a nyongi. Elle l'a observé, elle l'a maltraité. Sœur a telle magie la foi. La sœur se tenait dans la foi. Fais-a qui ka foi pambate. Ce n'était pas seulement la foi. La vertu. Avec la vertu. Fais-a qui ko punjwa. Oui, qui était là. Bouyona. Alors mokolo moko. Un jour. Mobali a lobi. Babimi boende siko. Bayena boende. Ils sont venus maintenant boende. Le sang boende qui n'a venu Salonga. L'église était sur l'avenue Salonga. Ndeko na biso ndeko moko kati na nkolo njoli botei wa tundunde azaki kote. Un frère prédicateur njoli qui prêchait. Alors mobali lokola tikala ki na ndako. Le mari comme il est resté à la maison. Mais moi si nanga yo ya kenda ka église. Là ma femme ici elle est pas qu'à l'église. Des fois elle rentre là. Na kenda la église wana na yo ka soki akenda ka réellement. Je peux suivre vérifier si réellement. Donc la mokolo nzambe a capté. Alors c'était le jour où Dieu allait le capter. Comme tu bisate ntango nzambe zali. Ne te tourmente pas le temps de Dieu là. Dieu a un plan. Dans toutes choses Dieu a un plan. Est-ce que bolingi est? Est-ce que vous l'aimez? Aye na kit. Il est venu au kilt. L'assemblée avait commencé. Il a pris la chaise chez les voisins. Il n'est pas entré dans l'assemblée. Il s'est assis dehors. Et ce jour-là, la sœur a donné la requête. Prions pour mon mari. Je l'aime tant. Que Dieu lui fasse grâce. Et c'est Dieu que j'écris. Sili. Après le culte. On a lu la requête. Ils ont prié. Mais il a entendu les prédications. Il n'a pas dit à la sœur que je vais te mais suivre. À l'assemblée. Et lorsqu'il est venu à l'assemblée, il ne s'est pas montré, mais fait voir. Mais tout ce qui s'est passé dans l'assemblée, il a suivi. Et la requête que la sœur avait donnée pour elle, pour lui. Est-ce que vous êtes ici? Ah, c'est lui qui a prié ce jour-là, il a dit ceci dans sa prière. Seigneur, il a dit Nkolo. Un homme, il est seul. Si la pluie tombe sur lui, tout entier, il entrera dans une maison. Attendant que la pluie cesse. Il ne peut pas se subdiviser qu'une partie soit dans une maison. Mais toi, tu as dit l'homme et la femme, une seule chair. Maintenant, cette femme, la sœur, mais son mari n'a pas crié. Ne peut-il pas faire que tous puissent devenir. Alléluia! Hein? Alléluia! Après la prière, le frère a pris la chaise, il a remis au voisin et puis il est rentré à la maison. Lorsque sa femme est venue à la maison, il a dit: yo, okende kuna kosambe la ponangai. Toi, tu vas là-bas prier pour moi? J'ai entendu vous prier pour moi. La sœur lui a dit, est-ce qu'on t'a maudit? Frère-là prêche bien. Et là, elle s'est de quoi là? Ah, ça a commencé. Il faut qu'on pèse en Zambé Mokumba. Non, il faut laisser la responsabilité à Dieu. Prie pour ton patron. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour ta famille. Prie. Et crois à ta prière. Est-ce que vous allez où? Êtes-vous ici? Frère Wana joue baptême. Et ce frère-là, il le baptême. Frère Wana Akuma qui pasteur. Et ce frère-là est devenu pasteur. Frère Alekisa qui tango molayi na biso na assemblée ya Lingwala awa na Bolongo. Le frère a fait longtemps ici dans l'assemblée de Lingwala ici sur Bwende et Bolongo. Sikoyo azongi na Bwende. Maintenant il est rentré à Bwende. Mais comment qui na ngonga moko? Il est arrivé un moment. Malgré pasteur. Malgré qui pasteur. Malgré motei. Malgré prédicateur. Ayebisi baninga batei. Il a dit à ses collègues prédicateurs. Musala kote ya nzamba pesingate. Il a dit, le ministère de prêcher, Dieu ne me l'a pas donné. Je ne vais pas abandonner Dieu. Mais je cesse de prêcher. Je suis en train de prêcher par mon intelligence. Si c'est Dieu qui m'a appelé, que j'attende.
Aujourd'hui, il est dans le message. Aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Il est venu pour quoi? Il y a une vertu dans sa femme et péché. Qui lui a péché. Qui lui a péché, oui. Et lui a mené auprès du Seigneur. Vous voyez la vertu. Peut guérir le malade. La vertu. Peut chasser les démons. Vertu. La vertu. Peut sauver aussi les païens. Dites amen. Comment toi, tu es enfant de Dieu? Tu n'as personne qui est venu au Seigneur par toi. Pourquoi? On est sauvé pour sauver les autres. Si toi tu es sauvé. Par toi, qui sont sauvés? Le salut, tu ne l'as eu que toi-même comme ça. Je sais pas. Verset 48. Le verset 48. Jésus dit à la femme. Ma fille. Ta foi. Kondi manayo. T'a sauvé. Et bien qui siyo. Va en paix. Kende katina kimia. Amen. Amen. Si tu es déjà guéri, ou sauvé, sois en paix. Tu t'agites pourquoi? C'est ça la vertu. Cette femme, elle a tout fait pour avoir la guérison auprès du Seigneur. Pas seulement elle. Si nous lisons dans Luc chapitre 5, oui, qu'elle a un pic au moqué. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Ah. Chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 17. Le verset 17. Verset 20. Jusqu'au verset 20. Un jour, Mokolomoko. Jésus enseignait. Yesu azaki kola kisa. Des pharisiens. Bafalisai. Et des docteurs. Pe balakis. De la loi. Ya mobeko. Étaient assis là. Bazaki wana ya kovanda. Venus de tous les villages de Galilée. De la Judée. Et de Jérusalem. Pe na Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer. Et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire. À cause de la foule. Ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent. Par une ouverture. Avec son lit. Au milieu de l'assemblée. Devant Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque quelqu'un cherche la guérison, il use de beaucoup de manières. Dites amen. La guérison, si tu croises les bras, tu n'en auras pas. La guérison, le salut, ça c'est offelé. Mais si quelqu'un est sauvé, le salut qu'il a, ça va le bouger. On a amené un paralytique. Pour le faire devant Jésus, il n'y avait pas moyen à cause de la foule. Non. Ils sont montés sur les toits. Ils ont vu une ouverture sur le plafond. Ils l'ont fait descendre. Tous les exercices qu'ils faisaient, Jésus savait. Je te dis la vérité. Tu n'as pas encore prié, Dieu connaît les désirs du cœur. Il a vu seulement devant lui le lit qui descendait avec un paralytique.
Batwana batika li ligolo ansambanda. Ces hommes-là sont restés sur le toit. Yoga Jésus. Écoutez Jésus. Voyant leur foi. Komonaka koni manabango. Jésus dit. Yes alobaki. Homme. Mipali. Mobali. Ah, alobina paralytique. Homme. Alobina mobali wana mukakatali. Tes péchés. Masumu mayo. Te sont pardonnés. Malimbi semeli yo. Voyez, la paralysie, c'est la conséquence des péchés que tu as fait. Je ne parle pas de tous les paralysies. Toutes les paralysies. Je parle seulement de cela. Pour Jésus, parce que Jésus, il n'a pas dit seulement directement que j'ai guéri sa paralysie. Il s'est adressé à son âme. Alobi, tes péchés sont pardonnés. Alobi, même si les péchés étaient pardonnés. Même s'il n'a pas mentionné. Mais cet homme n'est pas sorti paralytique. Déjà sauvé. Il est sorti déjà sauvé. Déjà guéri. Il est sorti déjà guéri. Ceux qui ont vu Jésus, ont vu tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Mbongo, mais tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas Jésus. Est-ce que vous aimez cela? Toujours le école du dimanche. Nous parlons comme à l'école du dimanche. Malembe, minutieusement, hein, afin que cela puisse bien pénétrer. Que cela puisse bien pénétrer. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que alors, les gens pour avoir les diamants. Il accepte que la terre tombe sur lui. Il entre avec la pêche jusqu'au fond. Il oublie même les risques. Il oublie que la terre peut se fendre et puis tomber sur lui. Alors pour avoir le salut devant Jésus, tu vas hésiter pourquoi? Tu vas craindre pourquoi? Il y a quelques gens, lorsque vous demandez qui veut donner sa vie au Seigneur, il veut avoir le baptême. Il passe ici devant. Il regarde aux amis. Il regarde si quelqu'un autre va s'élever alors qu'il puisse s'élever. Reste là, ne te lève plus. Reste assis. Tu n'es pas violent. Des choses de Dieu, il faut la violence. Si vous êtes d'accord, dites amen. Moi, étalon de mesure n'anga isa frère Gabriel T. Mon étalon de mesure, ce n'est pas frère Gabriel. Étalon de mesure n'anga pas isa frère Joseph T. Mon étalon de mesure, ce n'est pas aussi frère Joseph. Mon étalon de mesure. Mon étalon de mesure. C'est la parole de Dieu. Zali loban ensemble. C'est que dit la parole de Dieu. Ceux qui ont tergiversé. Si toi tu tergiverses, pas moi. Je vais me tenir, je suis le Seigneur. Parce que je sais que suivre le Seigneur, c'est la solution. Amen. Amen. Bon, Zéla. Attendez. Zéla na yebisa. Attendez que je te dise. Ceux qui vertu n'est pas Jésus. Nous avons entendu, suivi la vertu qui était à Jésus. C'est la force. Et Zali Bokas. C'est la puissance. Zali Nguya. C'est le pouvoir. Ezali Makoki. Abimisi yango, mwasi ya litanga ya makila. Il a fait sortir la femme à perte de sang. Abimisi yango paralytique. Il a fait sortir cela. Paralytique a été guéri. Bongo kakaye. Pas seulement lui. Kaka Jésus. Seulement Jésus. Bongo biso tondimi epon. Alors pourquoi nous l'avons crié? Motomoka za spécialité. Il n'y a personne qui est spécial. Tout le monde sont spécial. Tout le monde est spécial. Tout le monde est spécial. Tout le monde est spécial. Moi na moi si. Moi na mobali. La femme, l'homme. Tu dois avoir ces vertus. Osengile ozongu yawana. Ozoze la frère Iloko. Tu as ta frère Iloko. Ozoze la frère Joseph Lilanga. Tu as ta frère Joseph Lilanga? Non non. Tu Yo peza mwana nzambe. Toi aussi tu es enfant de Dieu. Yo peza édifice nzambe. Toi aussi tu es l'édifice de Dieu. Yo za la maison de Dieu. Yo zali ndako ya nzambe. Tu dois avoir la foi. Osengile ozokondi. Tu dois aussi avoir le vertu. Osengile pe ozo apengu ya yango. Alléluia. Amen. Zela na tangela ba to ata mi balé bongo to bima. Attendez que je te lise même des personnes qui ont eu la vertu. Acte chapitre 8. Misala mukapoma. Tu bandi verset 5. Commençons verset 5. Philippe Philippo étant descendu dans la ville
de Samarie. Aussi la kokita kati na ingomba ya Samaria. Il prêcha le Christ. Kuna ateya ke Kristo. Les foules tout entières. Bipele mobimba. Était attentive à ce que disait Philippe. Bazaki na bokebi na yango Philippe azaki koloba. Lorsqu'elles apprirent. Tango bayokaki. Et virent les miracles qu'il faisait. Bebo ngona ki bikamu selaza ko sala. Car des esprits impurs sortirent. La mimili mwambindo ezaki kobima. De plusieurs démoniaques. Na milimo mabe ebele. En poussant des grands cris. Na ko pesaka bagokanga monene. Et beaucoup de paralytiques. Pe mingi abakakatali. Et des boiteux. Pe batengomi. Firent guéri. Babikisamaki. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Pe zomaki kuna esengo monene kati na ingoma. Il y avait auparavant dans la ville. Ezomaki liboso kati na ingoma. Un homme nommé Simon. Mobali moko na nkombo ya Simon. Qui se donna pour un personnage important. Oya zaki komona na lokola moto moko ya lokumu. Exercer la magie. Kosalaka kisoloka. Provoquer l'étonnement du peuple. Pe azaki ko sala ete libota ba kamo. Le peuple de la Samarie. Libota ngo ya Samaria. Tous. Panso. Depuis le plus petit. Uta oya lekimuke. Jusqu'au plus grand. Inona oya monene. L'écoutait attentivement. Bazaki ko yoka yena bokebi. Et disait. Pe kolobaka. Celui-ci. Oyo. Est la puissance de Dieu. Zali ngo yango ya Nzambe. Celle qui s'appelle la grande. Oui, bien gami ya monene. Il écoutait attentivement. Bazaki ko yoka yena bokebi. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Pwete ya akamwisaki bango utatango molayi na misala na ye ya kisoloka. Mais quand ils eurent crié à Philippe, wana bandima ki Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Wazaki kosangela bango sangmalamu ya Et dit nom de Jésus-Christ. Fena nkomo na Yesu Kristo. Homme Mipali et femme na basi se firent baptiser. Bazwaki li baptisi. Simon le magicien lui-même. Simon na moto ango ya kisoloka yomoko. Crie. Andimaki. Et après avoir été baptisé, Pena sema yoko batisama. Il ne quittait plus Philippe. Azaki kotika lisusu Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Azaki kotala na kokamwaka bikamu selepe makambo ya somo. Philippe azaki na vertu. Philippe aussi avait une vertu. Toloba amen. Disons amen. Yo kanisi kozwa vertu. Il y a Christ, il faut de la gare prédicateur. Toi, tu penses qu'avoir la vertu de Jésus-Christ, il faut être seulement prédicateur? Non. Tete. Christ à Gouvan n'a pas prédicateur. Christ ne va pas habiter seulement chez les prédicateurs. Christ à Gouvan n'est pas bananaïe. Christ habitera chez ses enfants, hommes ou femmes. Yo. Toi. Il faut plus jouer vertu ou ana. Tu dois aussi avoir cette vertu. Il faut ton gamma. Tu dois être édifié. Il faut cola. Tu dois croître. Que tes yeux ne regardent pas quelqu'un. Que tes yeux regardent Jésus. Toi, tu as qui Jésus? Est-ce que vous l'aimez? Magicien. Un magicien. Il émerveillait les gens. Avant Philippe aya. Avant que Philippe vienne. Philippe n'était pas pasteur. Philippe n'était pas même pasteur. Philippe va prendre comme diacre. Philippe a été choisi comme diacre. À Jérusalem. À Jérusalem. Persécution et bimi. Les gens se sont dispersés. C'est seulement les apôtres tout qui sont restés. Tout le monde est parti. Lorsqu'ils se sont dispersés, chacun par où il a fui, il prêchait Christ. Philippe a choisi Samarie. Philippe a choisi Samarie. Quand il est arrivé à Samarie, il y avait un magicien dont les gens s'étonnaient par sa magie. Lorsque Philippe est venu, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher Christ. Il a commencé à prêcher Christ. Les gens ont crié. Voire même les Simon les magiciens. Pour montrer que même aujourd'hui, la puissance de Jésus est au-dessus des magiciens. Alors, croyez aussi, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Puissance, vertu, cette vertu-là de Jésus. Et au-dessus des sorciers. Amen. J'habitais ici sur Kabalo. En diagonale, na église, na biso ya kala, ezalaka kuna. En diagonale avec notre ancienne église, là où ça a été. Mama wana Bayeres Kolonda. La Bayeres. Assemblée la na, na catholique. Elle prie chez catholique. Abimi na tongo. Elle est sortie le matin. À quelle prière? Elle est allée à la prière. Azongi. Elle rentre. Ayebisingai. Elle me dit. Oh, baninga nangai balobi.
Oh, mes amis, on dit. Yo, tu es mort dans le pango, moi, biso to kota na butu ezate ponani. Toi, tu as mis le feu dans la parcelle, il n'y a pas moyen que nous y entrons. Siko, ya yeko ebisangai. Maintenant, elle est venue me dire. Papa. Papa. Balobi, ngai na tie moto na lupango. On a dit, moi, j'ai mis le feu dans la parcelle. Est-ce que yo monaka moto te? Est-ce que toi, tu ne vois pas le feu? Nga na ebise bongo yo ebita ke moto ezalaka. Moi, j'ai dit, oh, tu ne connais pas qu'il y a le feu ici. Moto ezalaka wa nabi. Oui, oui. Il y a le feu ici. Oui, oui. Aussi longtemps que Nganazalia, moto il fait là. Aussi longtemps que je suis, le feu doit être ici. C'est mon Dieu qui garde ici. Mais yo, linga kyo tu na baninga na yo. Mais toi, tu allais demander tes amis. Comment vous savez qu'il y a le feu là? Et pourquoi seulement la nuit? Mon frère, pas seulement moi. Même toi. Tu vois, quand tu es endormi, dors-toi paisiblement. Comme tu as Jésus, il veille sur toi. Amen. Ne crains pas. Quand créé là, c'est une créature de Dieu. Le chat ne miaule comme cela. Laisse. C'est que tu ne te connais pas, tu ne connais pas sa position. Il faut avoir la vertu. Ici, tel que je parle, hein? Je ne parle pas que viens m'ensorceler. Non, moi je prêche que. Mais je sais qui je suis. Mais si toi tu dis je vais l'ensorceler, il n'y a pas de problème. Toi essaye. Toi cherche. Est-ce que vous allez où? Êtes-vous ici? Kobanga kate. Ne crains pas. Banga. Si tu y as peur, Munguna komona kozane eloko. L'ennemi verra que tu n'as rien. Soki ozali équipé. Parce que si tu es équipé, tu auras peur de quoi? Tu auras peur de quoi? Est-ce que Kaka Philippe? Et c'est seulement Philippe? Kaka Philippe? C'est seulement Philippe? Tiens, tout en allant au Acte chapitre 5. Non, lisons d'abord Acte chapitre 5. Yokanan. Écoutez d'abord. Verset 12. Le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Mingi yabikamwisele pe makambo ya somo ezaki kosala mana katikati ya libota na maboko ya bantu. Ils se tenaient tous ensemble. Banso bazaki elongo au portique de Salomon. Na ikuke ya Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins on couvre quelques-uns et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Amen. Amen. C'était par la vertu. Est-ce que vous aimez cela? Voyez, Bible lobby. La Bible dit, bato bazwaki révélation. Les gens ont eu la révélation. Ah, ma païen. Les païens. Bazwaki révélation. Ils ont eu la révélation. Que malgré Jésus a koufaki. Que malgré que Jésus est mort. Assez quoi? Il est ressuscité. Accueilli. Il est allé. Azali sunabi sauté. Il n'est plus avec nous. Mais bato bazwaki naie. Mais ces hommes qui étaient avec lui. Ah. Dingue ya salaki. Tel qu'il a fait. Bango pe bazalo kolaye. Et aussi sont comme lui. Pe Bible lobi. Et la Bible dit. Bazalaki comme ma babeli. On amenait des malades. Batandi babeli na balabala. On les étalait sur la rue. Kozalaka na idée. Ayant l'idée. Lokola mwasi asimbaka elamba ya Jésus. Comme la femme qui avait touché les vêtements de Jésus. Bango basimbi elamba te. Et n'ont pas touché les vêtements. Ils ont dit. Ata elilingi ya Pierre. C'est simplement l'ombre de Pierre que cela puisse couvrir ces malades. Alléluia.
Pourquoi cela? Pona nini bongo? Pierre avait l'averti. Petelo zaki na nguya. Oh Jésus. Ils sont tombés mais sur le quoi bah groupe de réveil. Ne croyons pas Jésus comme le groupe de réveil. Ils sont tombés mais Jésus le quoi là bah dénominationnel. Ne croyons pas Jésus comme le dénominationnel. Mais tu as bien message. Mais nous avons reçu le message. Est-ce que bon dimanche tu as bien message? Avez-vous accepté que nous avons reçu le message? Nakati a message oyo. Dans ce message? Non, c'est aliwana. Tout y est. Restauration, restauration. Restauration. Yamakambo et salamaka na bontoma. De toutes ces choses qui sont faites du temps des apôtres. Ça se trouve dans cette parole. Ils ont dépendre foi na yo. Cela dépend de ta foi. Est-ce que yo kondima na yo ezako tepa ou bien bakami likolo? Est-ce que ta foi chancelle ou bien elle est enracinée? Il faut kondima na yo bakama. Il faut que ta foi soit enracinée. Po ekozala yo moto kosala te. Parce que ça ne sera pas toi qui fera. Jésus ndé akosala. C'est Jésus qui fera. Et Jésus est la parole. Et Yesu azali loba. Longola bobangi. Enlève la peur. Ndeko brana mazaki koloba. Frère Branham disait. La chose qui tue l'église aujourd'hui. Eloko yekobomekele selelo. C'est la peur. Azali bomo. La peur. Bomo. C'est la peur. Azali bomo. Longola bomo. Enlève la peur. Ezali kambo na yo te. Ce n'est pas ton problème. Ezali kambo ya nzambi. C'est le problème de Dieu. Yo ndimeli nzambi. Toi tu as que Dieu. Au contrôler tu contrôles ta foi. Si la foi est dans la parole, tiens-toi là. Tiens-toi là. Tu feras des exploits. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et Dieu est la parole. Moi, na belli. Un enfant malade. Avant tout, ne regarde pas au diacre. Qui suis-je? Cherche à savoir Nazanani. Si vous êtes d'accord, l'oba, amen. Si vous êtes d'accord, dites amen. Qui suis-je? Gai Nazanani. Allez voir le diacre, ce n'est pas mauvais. Allez voir le pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais toi-même, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que toi tu n'es pas enfant de Dieu? Est-ce que dit Jésus? Tu n'as pas qui Jésus? Est-ce que Jésus a causé la nantiela na yote? Est-ce que Jésus ne peut pas agir par toi? Si quoi obi manabutu bakuluna bakata opota. Maintenant que tu sortes la nuit que les kuluna puissent tomber sur toi? Jésus a zawa. Où est Jésus? Jésus a zé pas diacre. Jésus est chez le diacre? Non, yo zana Jésus. Non, mais tu as Jésus. Fukama. Agenouille-toi. Tombola mabok. Lève tes mains. Invoque-le. Présente la situation. Présente la situation. Vois dans ton cœur. Mon frère. De Konangai, ma soeur. Daniel. Sois comme Daniel. Daniel a bondeli. Daniel a prié. Afandi. Aïe, c'est assez. Message est hier. Le message est venu. On l'a embrouillé là dans mais les yeux. Mais hier, ferme. Mais lui était ferme. Dieu est intervenu. Pour ton cas, Dieu va intervenir. Amen. Lorsque la solution de Dieu vient, ça coupe le souffle aux gens. Ah, en français, stupéfait. En français, on appelle ça stupéfait. Ah, les gens sont stupéfaits. Quoi? Ah, c'est cela. Il faut aimer Jésus. Hein? À part Jésus, motomosute. À part Jésus, pas quelqu'un d'autre. Il est tout pour nous. Vous voyez? Bon moni. Est-ce que caca Pierre? Est-ce que c'est seulement Pierre? Non. Non. Na kalsi na Paul. Je pense aussi Paul. Acte 19. Misala zomina libo. Landa. Suivez. Verset 11. Le verset 11. À 12. Jusqu'au 12. Il y a acte 19. De acte 19. Et Dieu. Penzambe. Faisait des miracles. Extraordinaire. Par les mains de Paul. Au point que on appliquait sur les malades des linges bilamba ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades et les sortez. C'était la vertu. Est-ce que vous l'avez bien? Est-ce que vous m'avez bien suivi? Paul. Paul.
n'était pas Jésus. Lui était croyant de Jésus. Les gens ont eu la révélation. Si les suies c'est sué, il prêche, il a transpiré. Il prend sa pochette. Il pose là. Quelqu'un par la foi. Il vient, il prend la pochette. Comme ça, toucher le corps de Paul, il faut que notre foi augmente. Paul n'était pas Dieu. Il était serviteur de Dieu. Il était enfant, fils de Dieu. Il est allé avec ce mouchoir. Il a placé sur le malade. Au nom de Jésus que Paul prêche. Quelqu'un guérit. Pourquoi? Bonanine. Vertu. Gouya. Vertu. Gouya. Frère Pierre Alobi. Frère Pierre Alobi. À cause de cela même. Nantina na yango kutu. Faites tous vos efforts. Bosala makasi na bino nyonso. Pour joindre à votre foi. Bona kobakisa na konyuma na bino. La vertu. Gouyango. Est-ce que bolingi vertu? Aimez-vous la vertu? Alors, soit vous en avertis. Alors, si tu as l'averti. Ou kamata mutumoko lo katinabiso aloko lanzambete. Tu ne vas pas considérer personne parmi nous comme Dieu. Yope ou komimona ke ngai nazali. Donc, si tu verras que moi aussi je suis, ah, hein, Jésus a sa katinangai. Parce que Jésus est en moi. Nalingi. Nalinga kinatanga déclaration moko. Je voulais lire une déclaration. Et puis tout suki wana. Après quoi, nous terminons. Yalité yaoyo, la stature d'un homme parfait. De cette prédication, la stature d'un homme parfait. Nalobi yango. Je l'ai dit. Kaka bokonote. Ça ne concerne pas seulement les maladies. Ezotale la pe na masumu. Ça concerne aussi les péchés. Mon frère. De konangai. Comment yo lobi oza mona na nzambe? Comment dis-tu que tu es enfant de Dieu? Mais oza elengite na miso abatu. Mais tu ne sens pas bien aux yeux des hommes. Saveur. Tu n'as pas de saveur. Exacté. Il n'y en a pas. Des scandales sur scandales. Il n'y a rien qui attire d'autres pour venir au Seigneur. Tu examines toi-même. Tu habites aussi avec des beaux frères. Avec des beaux frères. Avec des petits frères. Avec des visiteurs. Avec des gens. Trouve-t-il en toi que quelqu'un peut aller aussi témoigner? Non? Il faut pas bateau. Il faut aussi que les hommes. Bah mon Christ est katina yo. Qu'ils voient Christ en toi. Peu bah monsieur soubaza la attiré envers Christ pour na yo. Et que d'autres soient attirés à Christ à cause de toi. Secondé, senga maga ke baza la bandi. Si c'était demandé qu'ils soient aussi des croyants. Ndeko Branham a analité la stature d'un homme parfait. Ici, frère Branham, dans cette prédication, la stature d'un homme parfait. Na page 25. Page 25. Alobi boy. Il dit ceci. J'ai prêché un serment. La terre qu'il était yamoko. Il y a, il me semble, une vingtaine d'années. Et si le sur Monsieur le Révérend Lys Pasteur. L'icolo na mo kengeluyo ya lukumu. Non non. Hein? Lys. Ah. Lys Ezali, fleur de lys. Ok. Fleur de lys. Révérend. J'ai pris cela. Nzoa ki yango. Dans ce texte de la parole. Kati na molongo na ya luloba. Où Jésus a dit. Et pas ouais pièce sur le bac. Considérez les lys. Bota la fololoana. Il ne travaille ni ne file. Et ça la caté et son acaté. Cependant, je vous dis. Zokane na lobi na bino. Que Salomon. Et Salomon. Dans toute sa gloire. Kati na kembo na inyos. N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ya la takite lokola moko na bango. Alors, j'ai tiré. Na bongo na zwaki. Dans cette parole de Jésus. Kati na lobwana na Yesu. Ce serment. Lité ya oyo. Alobi, regardez le lys d'eau. Alobi, bota la fololo ya mai. Il vient de tout en bas. Dans la boue. Et à chaque minute du jour, na minute, il doit puiser dans la terre.
esengeli etoka kopanda na mabele. Voyez-vous? Bomoni? Et que fait-il avec cette vertu? Yangu yekosala nini nangu yawana? Qu'il tire. Oui, ezali kobenda. Il la distribue. Ezali kokapola yango. Il présente un spectacle magnifique. Eko tali sa etali sel moko ya kitok. Pour l'admirateur. Pona mu mukamu. Il s'ouvre. Ezali kofongwa. Et s'offre pour le miel. Eko mikaba pona mafuta nzoyi. Pour que poète. L'abeille vienne. Zoyeya. Prendre sa part. Ezwa ngambo naye. Il ne se plaint pas. Eko milela lelate. Ce qu'il a. Oye azu. Et là dedans. Ezwa mikona na kati. Et que ce sont et tes alliés, ce sont, ce soit marqué, et tes yango, landa, pour que l'abeille vienne, pour être zoye eya, prendre sa part, ezwa etenye nango, il ne se plaint pas, yango yoko mille la lelate, ce qu'il a, elle, oyo zoye wa nezui, pour être distribué, non, ce qu'il a, ah, ce qu'il a, oya zui, c'est pour être distribué. Ils allaient pour être ekabona, ekabolama. Mais qu'arriverait-il? Kasi nini yango koko? Si une abeille entrait, soko nzoi moko ekoti, là dedans, kuna nakati, et que ce sont marqués, ete etia, marqué, écrit, ah, ekomam, ekomami, kuna ekomami, ah, sans provision, ah, bilay ezate, point de miel, mafuta nzoi ezate. Cette petite abeille se gratterait la tête. Zoyuane yamuke eko kwanza mutu. En disant. Kolobaka. Quel genre de lys est? Le lengene ni ya fololo. Na expliqué. Zela na solisa. Omoni ba fleur, fleur de lys. Voyez les fleurs de lys. Babi makana mai. Ils sortent des eaux. Na mai ya potopoto. Ah, de la boue. Eza na mwa ba fleur moko e bimaka wana okomona libanda mwa ba fleur mais otali source nango e uti na potopoto. Il y a quelques fleurs qui sortent là-bas mais leur source c'est dans la boue. Bayaka, les abeilles viennent bakena fleur wana. Ils font à cette fleur wana. Ils tirent l'eau de cette fleur. Quelque part pour fabriquer mafuta ya nzoyi. Il va quelque part pour fabriquer le miel. Pe bato balei mafuta. Et les gens mangent le mais miel. Mais azua ki yango wapi? Où est-ce qu'il a tiré ça? Azua yango pa fleur de lys. Il a tiré ça du fleur de lys. Mais dis ceci. Soki ekomaki. Si il arrivait. Que abeille. Que l'abeille. Aye kozwa maiwana. Viens prendre cette eau là. Na fleur de lys. Du fleur de lys. Mais akuti bakomi. Mais le trive qu'on a écrit. Pas de provision. Pas de provision. Ça dit bilay ya kozwa ou pas nanga yezate. C'est dit chez moi ici il n'y a pas de provision. Abeille ya kokwanja mutu. L'abeille se cratera la tête. Bongo ya telemi wana pona. Alors il est là pourquoi? Il y a za fleur. Il est fleur. De nature. De nature. Il faut biso ba abeille to joa ma nous les abeilles nous devons tirer donc de ça là nzoyi ça sert pour faire mais hier à lobi oh ah oui pas nangai ma foutu mais lui dit ici chez moi il n'y a pas de provision lana suivez je dois avoir de la vertu asengele na zonguya et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens pe molongo moko ah ezalin zela moko zela moko oye kosala ete ngai na zui yango e pa na Jésus et ye pa na ngai pe après na pesi pe bato est-ce que bolandi yango amen parce que pote de la vertu utana ngo yango est sorti de lui et bi maki utana ye pour atteindre les gens pote ezwa bato la vertu nguya. Mais avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Vous devez premièrement la voir avant de laisser sortir. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Qu'arriverait-il? Si quelqu'un essayait de faire sortir de la vertu de nous, et le chèque reviendrait avec la mention, sans provision, non, il n'y en a point là qu'on peut venir chercher. Le chèque est refusé. Quelqu'un vous considère comme un chrétien? Et demain, lobby,
il vous voit quelque part. Amoni yesi kamoko. Vous conduire mal. Vous allez kotambula mabe. Comme un pécheur. Lokola musumuki. On ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertus. Kona bakoko yate koloka banguye pele. Vous voyez. Amoni. Comme une pierre d'achoppement. Tu deviens une pierre d'achoppement. Bako bénéficie alors que pas nayote. On n'en bénéficiera rien de toi. Yonde ngozawana. Toi tel que tu es là. Bato bazo kanisa. Les gens pensent. Que ce qui n'a commis pembeni na ye. Et si je m'approche de lui. Bénéficier ma kambwanza. Je vais bénéficier les choses de Dieu. Mais tango moto ayé pembeni na yo. Lorsque quelqu'un s'approche de toi. Akuti sans provision. Il te trouve sans provision. Kambwanza be kati na yo ezate. Ah, aucune chose de Dieu en toi. Akoya li soute. Il ne viendra plus. Akozwani. Qu'est-ce qu'il aura? Est-ce que vous comprenez? Tu n'en as pas. Un chrétien, il est. Bon, mpimbo, ça veut dire quoi? Goût, hein? Vous voyez, si on prépare, il y a l'odeur, même si tu n'as pas vu de l'odeur. Il y a bien, il y a goût. Ça sent bien. Ça vient. On appelle ça pimbo. Tu peux sentir ça de ton nez. C'est ça, mon Christ. C'est ça, un chrétien. Mais lorsque les gens s'approchent de toi, tu as la moutou. Regarde la tête. Quelqu'un s'approche de toi. Zoba. Ah, insensé. Quelqu'un s'approche de toi. N'entre pas. Maman, comment la maman de ton mari va se convertir? Les petits frères de ton mari, comment ils vont se convertir? Tes camarades, comment te suivront-ils pour se convertir? Tu n'as rien à sucer. Tu n'as rien à manger. Tu n'en as pas. Il a fallu qu'on connaisse Dieu à partir de toi. Toi qui es sœur en Christ. Toi qui es frère en Christ. Toi qui acquis le message. Toi qui viens à l'assemblée. Mais quand nous sortons d'ici, tu vas à la maison. La pancarte, on écrit sans provision. Il n'y a rien là, sans provision. Les gens ne viendront pas. Dites amen. Ils ne viendront pas. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vertu. La vertu attire. Vertu et sungak. La vertu est. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus en toi. Et ça lui produit la parole. C'est le produit de la parole. Non, ce outil de la parole. Tout provient de la parole. La foi. Kondima. De la parole. Yalilob. La vertu. Gouya. De la parole. Yalilob. La connaissance. Boyebi. De la parole. Yalilob. La tempérance. Komikanga. De la parole. Yalilob. La patience. Motema de la parole. Yalilob. La piété. Boule. De la parole. Yalilob. L'amour fraternel. Bolingwa bandeko. Alléluia. Alléluia. Pardon, ma soeur. Pardon de Komasi. Pardon, mon frère. Pardon de Kombani. Est-ce que Dieu te conduise? Abandonne-toi à Dieu qu'il te conduise. Ne te considère pas comme toi. Ne vois pas que toi, tu es suffisant. Mais vous nous dites. Ah, je vois ce frère. Pourquoi tu sais qu'il n'a pas de ministère? Olandi? Tu as suivi? Uyoki? Tu as entendu? Outali, tu as examiné? Olukiba, fruit, tu as cherché des fruits? Exacte. Il n'y en a pas. Yo, lobi, azanangote. Toi, tu dis, il n'a pas de ministère. Et pas motomusus? Chez quelqu'un d'autre? Ofandi. Tu es assis? Olandi. Tu as suivi? Oyoki. Tu as entendu? Olobi. Tu as dit, azana ministère. Il a un ministère. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Mais yondenge ofandi. Mais toi tel que tu as dit. Toi et moi tel mais que tu as peine à bato bazako éprouver biso. Nous avons aussi des gens qui nous éprouvent. Est-ce que ça moi ensemble? Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Atali. Il les regarde. Atali. Il observe. Atali. Il observe. Nazaki na sœur moko wana moya. J'étais avec une sœur ici pendant la journée. Il y a assemblée mususu. D'une autre assemblée.
Oh, na suki sa yikote yamba la suka. Donc, quand j'ai terminé à prêcher la dernière fois ici. Mais ma pasteur. M'a appelé pasteur. Il y a une urgence. Il y a une urgence ici. Tu veux quoi? Olinginin. Tokuta. Qu'on puisse se rencontrer. Elle est journaliste. Elle est journaliste. Tokuta, non? Ah, que nous puissions nous retrouver. C'est ok, Tokuta en église. Mais il serait mieux qu'on se retrouve à l'église. Parce que ce qui est aussi si ma solo, na vandinaze la église na kota. Parce qu'après quoi, je vais attendre l'église avant que je rentre. Et puis tout solo. Après nous sommes entretenus. Elle m'a raconté ce qu'elle a. Naibise sœur. Il lui dit sœur. Est-ce que tu sais que Mama Bokilo nayo. Ta belle-mère. Azo talela yo. Elle te regarde. Est-ce que oebi ke mobali nayo. Est-ce que tu sais que ton mari. A utande pa naye. Venait de lui. Ce qui était. Si ce n'est pas elle. Tu ne pouvais pas trouver cet homme-là? Non? Lingaye. Aime-la? Oh, mais na zo mona ye, misala na ye. Je le vois. Ses œuvres. J'ai là, tala, ta mona botaka mona liboso. Lorsque j'ai enfanté le premier enfant, naibisie. Je lui ai dit, moi nangwa liboso akufa. Cet enfant est mort. Albi azali. Il a dit non, il est là. Akola. Il a grandi. Nabi Azali. Oui, il est là. Mais Jésus a battu la gaye. Mais Jésus qui l'a gardé. Tisiko a zo battu la payo. Jusque maintenant, il te garde. Lingaye. Aime-le. Aime-la. Aime-la. Tunaye a lingini. Demande-la. Qu'est-ce qu'elle veut? Vous allez là. Alors, serre-la. Pena yebisi. Omani maman ya botanga. Oui, la maman qui m'engendre. Akufi m'a enfanté. Elle est morte ici à Kinshasa. Namaboko a moi sinangaye. Entre les mains de ma femme. Na yebisi. Je lui ai dit. Maman tikali namboka. Maman est restée au village. Ceux qui viennent ici. Si je le reçois, il fera même dîner. Il va raconter là-bas. Il est devenu. Ce qu'il est devenu là-bas. Et il m'a donné même l'argent d'acheter de pain. Et cela dérange le cœur de la maman. Ah, le mari de ma. La moi, femme. Moi la... Ah, mon fils. Ah, l'argent. Moi, je souffre. Madame. Il dit, madame. Na malamu, na mabe. Et le bien et le mal. Mama yao. Que la maman vienne ici. Moka monaka, na mabe, na malamu. Qu'elle-même puisse se rendre oh, compte du bien ou du mal. Parce que lorsqu'on leur raconte que yo, j'ai l'argent. Ke, musutu, parce qu'il arrive des jours comme ça, on mais passe une kuna, nuit sans rien. Si mais là-bas, on a dérangé son cœur, oh, il a l'argent. Et puis tango ya zakuna. Et lorsqu'elle est là-bas. Tanga kokende kosenga mpondu ya musaka et pas mwana batu. Lorsque va demander pe abini apesi bango mokongo. Elle sort. Mwana belle fièvre. Et l'enfance. Bakolo baka aloki. Tombe malade de la et fièvre, on dirait mwana belle alokanga ite. Alors que moi je m'en pense sur ça. Akufi. C'est le elle même. Et vous allez trop tard. Ça sera trop tard. Tous à la pembeni na ye. Que nous soyons avec elle. Amona na malamu na mabe. Qu'elle voie et le bien et le mal. Olobinin. Que dis-tu? Alobi aya. Alors, qu'elle vienne. Nous lui avons envoyé les billets. Assemblée à Lingwala. L'assemblée de Lingwala. Nous sommes allés au Tei dans la commune de Kinshasa. Ma maman entre les mains de ma femme. Je lui ai dit. Madame. Madame. C'est ma mère. Aza maman nangai. Comme elle est ma mère. Le quoi, aza maman nangai. Elle est ta mère. Aza pe maman nayo. Joyeux. Prends-la. Nakuti ke la balé ki nangai ya basi mokumba wanate. Je ne vais pas laisser à mes petites sœurs cette chaise. Ma femme, c'est toi. Mon frère. De quoi nangai. Elle a fait tout. Asala kenyo. Il faut vertu na yope batoba mona. Il faut que les gens voient aussi ta vertu. Est-ce que bolingi yango? Est-ce que vous aimez cela? Batoba mona. Que les gens voient? Batoba mona. Que les gens voient. Koya kaka kana assemblée te. Ne viens pas seulement à l'assemblée. Eza bien. Ce bien. Koya eza bien. Venir ce bien. Pourquoi? Ponani. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Wete konime wuti na yango tokoyok. Omoni tozui deux vertus. Voyez, nous avons eu deux vertus. La foi. Kondima. La vertu. Nanguya. Mais eza sept. Mais c'est sept. Tokokoba. Nous continuons. Si c'est la volonté du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia.
soit pour Jésus. Pardonnez-moi. Il y a des bien-aimés qui ont fait la salutation. Si je n'annonce pas cela, ça ne sera pas bien. Yambo, yambo. Avant tout, nous avons causé avec le pasteur avant de venir ici. Azana, Canada. Il se trouve au Canada. Azana, Montréal. Il est à Montréal. Kalamingi te azo kene na Québec. Bientôt, il sera à Québec. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés avec lesquels je me suis entretenu par téléphone. Frère Sam Kitoko de Delvaux. Paris. Présentement, il est à Paris. Demain, il va se rendre à Roumanie. Frère Esaïe Bolangala. Frère Esaïe Bolangala. Ya Sioni. De Sioni. Frère James. Frère James. Ya Zambie na Kitwe. De Zambie à Kitwe. Frère Prosper Imeka. Frère Prosper Imeka. Azana Pointe Noire. Il est à Pointe Noire. Frère Moïse Kaka. Frère Moïse Kaka. Azana Congo Central. Il est au Congo Central. Na Sanda. À Sanda. Frère Eliezer d'Angola. Frère Eliezer d'Angola. Ateyakipe Awa. Il a quelque chose ici. Frère Franck Mbaya ya Bongolo. Frère Franck Mbaya de Bongolo. Azana Katanga na Kipushi. Il est à Katanga Kipushi. Bango Banso. Et tous. Et longona frère paradoxe Ifwa. Y compris frère paradoxe Ifwa. Batinde libiso bambote na kombo na nkolo Yesu Christ. Ils nous ont salué au nom du Seigneur Jésus Christ. Mendeko paradoxe asenga kibiso to kanise na mabondeli. Mais le frère paradoxe a demandé que nous puissions nous souvenir de lui dans la prière. Musala iza makasi banda za na Katanga. Il a dit l'œuvre est très grande depuis qu'il a Katanga. Ye azaka na Mbakakosi. Lui, il est à Bakankosi. Na Congo Central. Au Congo Central. Mais kuna zande pona musala ya Nzambe. Là-bas, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nzambe a sungi na musala yango. Dieu a aidé par cette œuvre. A baptisé déjà au moins 1627 âmes. Il a baptisé au moins 1627 âmes. Mais lokola zana no kaka kuna. Comme il est encore là. Bitumba pesa mwa makasi. Il a dit il y a encore beaucoup de baptêmes. Asenga ki ete lo sambo to kanisa epe na mabondo. Il a demandé que l'assemblée nous puissions nous souvenir aussi de lui dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime, mais Jésus, parce que moi, le premier, là, à qui pense à En priant, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous souvenir de notre bien-aimé frère Lokwa Gaston. Nous allons prier pour lui parce qu'il va voyager bientôt vers Mbandaka. Prions ensemble, mes bien-aimés frères. Thank you.
Notre Dieu qui est dans les lieux très hauts. Colo Yesu Masia, tous les sous reconnaissant ce soir, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, encore ce soir, nous sommes reconnaissants à toi. Colo et mon ami Polele et te boye inayo et siliko belema. Seigneur, il est manifeste que ton retour approche. Mpe osako viré maintenant, Seigneur, na ba préparatif, le lingyo soit quoi prêté, peuple nayo. Et maintenant, tu es en train de nous entretenir sur la préparation. Colo, tozoyo kalo lingyo zome mabiso, na kolei sabiso, na lo lingyo e bongi. Seigneur, nous attendons comment tu es en train de nourrir de la bonne manière. Parce que la différence entre les vierges, c'était à cause de la préparation. Alors, tu es en train de nous équiper afin de prendre contrôle et de nous entretenir. Ceux qui n'avaient pas l'attention ne savaient pas que l'huile était en train de s'épuiser dans leurs lampes. Nous avons entendu que s'il n'y avait pas la provision, la lampe aussi était devenue inutile. Alors merci Seigneur. Alors Mato Nicolo. Et toutes les prédications par lesquelles tu nous nourris, nous ton peuple. Santé. Cela nous procure la santé. Cela nous ravitaille encore. Pour tes promesses, allez te celles des sages, ne va pas la nettoyer. Parce que la promesse est que celles des sages seront nettoyées. Celles bangonde va vous aller épirer. C'est seulement les sages qui seront épirés. Alors maintenant, Seigneur, tu comprends que vous allez prêt à vous présenter biso devant toi. Alors maintenant, nous comprenons, Seigneur, que tu es prêt à nous présenter devant toi. Autant au bandit qu'au détailler biso ba verti n'ayant. Lorsque tu commences à nous déployer de tes vertis. C'est pour que toi et Bako s'attirer vers toi, Seigneur. C'est pour que nous puissions nous attirer vers toi, Seigneur. Pour que toi comme ma même nature. Afin de devenir même nature. Merci, Père. Merci, Tata. Pour bénir cette église, Seigneur. Que tu puisses bénir cette église, Seigneur. Il y a longtemps, nakabona ki na lo sambo oyo. Il y a longtemps que j'ai quitté cette assemblée. Depuis nakabalo. Depuis Kabalo. Maintenant 27 ans. Maintenant, ça fait 27 ans. Et moté mezaki na kolela, na kolenga et na mona lulenge nini peuple bazali béni Seigneur. Le cœur était en suspense savoir comment est devenu ce peuple. Et yo la kaka biso kokokisa ba désir na biso. Et tu nous as promis que tu vas accomplir nos désirs. Lokolo salaka na Siméon. Comme tu as fait avec Siméon. Et maintenant ngai pe na moni sali na yo Seigneur. Et maintenant moi j'ai vu ton salut Seigneur. Et lokolo moko tikali ba bele te kolo to achever sanctification na biso. La seule chose qui reste que nous puissions achever notre sanctification. Bambula peuple Seigneur Jésus. Bénis ce peuple Seigneur Jésus. Bambula basali na yo. Bénis tes serviteurs en cet endroit Seigneur. Bambula ba service nyoso ezako s'apprêter pour nous rendre service. Bénis tous les services qui s'apprêtent pour te rendre service Seigneur. Et vraiment kolo to kali susu ba exploit ko le ka oyo biso to kuti. Vraiment que nous puissions encore nous attendre à des exploits plus. Ces paroles qui sortent dans ces lieux, toi tu as dit ça ne manquera pas. L'huile ne séchera pas. Et la farine ne puisera pas. Jusqu'à ce que la pluie vienne. Jusqu'à ce que la pluie vienne. Nous attendons des temps de rafraîchissement, Seigneur. Nous étions essoufflés à la Odyssée. Vraiment, il n'y a pas moyen de vivre, Seigneur. Vraiment, il n'y a pas moyen de vivre, Seigneur. Mais yo la kaka biso ici de secours. Mais tu nous as promis. Tu as dit, nous allons rafraîchir nos cœurs. Par ton esprit. Répands ton esprit et vivifie parole, oh Seigneur. Pour vivifier cette parole, et Seigneur. Et toi qui es de mieux en mieux. Que nous puissions aller aussi de mieux en mieux.
Merci pour na iloba na yo. Merci pour ta parole. Bambola oyo salelaki lokola mbeki. Béni celui que tu as utilisé comme vase. Bambola pe bakere oyo ezaki prêt pour na koyamba. Béni aussi le cœur qui était disposé à recevoir la semence. Et eloko yantina tozozele te croissance na yango esalema. La chose importante c'est que sa croissance puisse avoir lieu. Bambola mokenge bipa yazali. Béni le percher où il se trouve Seigneur. Et aussi s'occuper na ye na bien-être na yo. Tu puisses t'occuper de lui de tout son bien-être. Bambola Israël peuple na yo. Béni Israël ton peuple. Et tu le Seigneur et défends-le. Et épouse Nayo parole partout dans le monde entier. Que tu l'épouse parole dans le monde entier. Pour rassembler Bissot d'un seul cœur. Que tu puisses nous rassembler d'un seul cœur. Dans la foi. Quand tu n'as qu'un condiment. Au nom de Jésus Christ. Dans le monde de Jésus Christ. Amen. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous mettre, mes amis. Bon vent d'Abaninga. Notre bien-aimé frère Lokwa Gaston. De Konabiso Lokwa Gaston. Remercie le Seigneur. Azotona Nkolo. De l'avoir guéri. Akobiki Sakaye. Il avait une maladie sur sa jambe. Azaki na bokono na lokolo na ye. Ça le tourmentait jour et nuit. Zako tungisiye butumoi. Mais à cause de vos prières de vendredi. Nantina mabonde na bino ya mokolo ya mitan. Non, il n'a pas marçonné le jour du matin. À cause de vos prières, il a été instantanément guéri. Et que Dieu bénisse. Le même frère Lokwa, Gaston, il nous dit au revoir. L'un de ces jours, je crois le dimanche, avec frère Apo, ils vont voyager ensemble, je crois. Alors, frère Lokwa demande si il peut apporter vos prières là où il part. Frère Lokwa, namatoi na yomoko. Frère Lokwa, sous tes oreilles. Bon. Et hier après Kilt, l'obilo le kisma lo sambo. Tout le monde était déjà pratiquement parti. L'assemblée était vide. Il y a une sœur qui s'est approchée pour me dire est-ce que tu connais que la sœur Marthe Kachemwa est ici à Kinshasa? Je lui ai dit non. Elle me dit la sœur Marthe est ici à Kinshasa depuis le vendredi. Donc ça fait déjà une semaine. La sœur est venue pour pleurer. Le Monsieur Mai John, son ex-mari. Aujourd'hui, nous avons été là. On a sorti le corps à la cinquantenaire. On a fait entrer à la cathédrale. Toutes les cérémonies se sont passées là-bas parce qu'il est l'un des dirigeants aussi des. Kilt.